Le retard de la tchouva. Qu'est-ce que vous dites sur le retard de la tchouva? Rabbeinu Yonah et les Rishonim font de ça un très grand inyan. Est-ce que on doit se presser à faire tchouva? Il y a Rabbi Eliezer qui dit Shuv yom echad kodem mitatecha. Fais tchouva un jour avant ta mort. La Gemara a dit, mais Chiyodea Adam, est-ce qu'un homme sait? Ela yashuv ayom, shema yamut lemacha. Un homme doit se dépêcher à faire tchouva de peur qu'il va. Hein, c'est quoi shema yamut lemacha? De peur qu'il n'aura pas la chance, cette chance-là, de pouvoir faire tchouva. Donc c'est, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a à se presser à faire tchouva tous les jours? C'est juste de peur qu'il ne la fasse pas. Ou non, il y a une raison. On voit dans Chazal, à plusieurs reprises, que l'homme, il doit se dépêcher à faire tchouva. Alors, j'entends ce qu'il me dit, que c'est mitzvah abaa liyadra al tachmitzena. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire teshuva? Hein? Qu'est-ce que tu dis, Johan? Il y a une mitzvah de faire tchouva ou pas? Alors, Bémet, d'après le Ramban, hein? Oh, ça c'est le Rambam. D'après le Ramban et Rashi, qui a mitzvah azot asher anochi mitzavecha ayom. Hein? La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, où là-bas c'est marqué qui karov elecha davar meod beficha ou bilbavcha laasoto. La chose est proche. De quelle mitzvah on parle? De mitzvah de teshuva. Donc si on parle de mitzvah tachuva, donc parashi, le Ramban, et encore d'autres rishonim, il y a une mitzvah assez de faire teshuva. Donc bevadai, que l'homme il doit se dépêcher à faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah assez. Donc si même tu as fait hier soir une erreur, sans faire exprès, ou tu dois faire tchouva le plus vite, parce que tu as une mitzvah assez, tu ne peux pas retarder quand tu as une mitzvah qui se présente à toi. Mais on a lu la semaine dernière le Rambam. Le Rambam, il disait que la tchouva, c'est pas une mitzvah tassée. C'est évident que tu dois faire tchouva. Tu peux pas continuer à fauter. Tu as des mitzvot de la Torah. Mais regretter le passé, c'est pas une mitzvah. C'est quoi la mitzvah de la tchouva d'après le Rambam? C'est après que tu fais tchouva, tu dois faire le vidouille. C'est la Torah, elle te dit. Après que tu as réalisé, que tu vas regretter, revenir, c'est pas une mitzvah, c'est un devoir, c'est normal. C'est évident, tu peux pas rester avec des fautes. Alors, tu dois faire tchouva. Donc, pourquoi il faut se presser à faire tchouva, hein? C'est quoi les raisons? Eh bien, Emet, il y a plusieurs raisons qui ont été citées et qui montrent c'est quoi l'importance de faire tchouva le plus vite possible. Et si c'est valable toute l'année, alors à Aseret Yemei Tshuva, oulala, c'est encore plus urgent de faire tshuva, à tel point que le Ramban, dans sa dracha de la tshuva, il écrit qu'une des raisons de la galoute, pourquoi elle est tellement longue, c'est parce que Hachem nous a donné une chance pareille de faire tshuva et on ne fait pas tshuva. Alors il dit que cette bonté d'Hachem devient une punition contre nous. Parce que quand je te donne l'opportunité, le cadeau de réparer, et tu ne répares pas, ça devient très grave. Ça aggrave, ça devient une punition. Quoi? Mais je t'ai ouvert les portes. Hein? Vous savez l'histoire de Rabbeinu Akadosh, qui est parti chez le boucher avant Kippour. Et quand un ravi l'a vu, il a dit, wow, Rabbeinu Akadosh, il va tuer le boucher. Parce qu'il savait comment il était dur, le boucher. Et ce qui s'est passé, c'est que Rabbeinu Akadosh a dit, bon, viens, on fait shalom et tout. Et l'autre, il a dit, non, machin. 2 heures après, un bout de fer se lâche dans la boucherie et le boucher, il meurt. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh s'est dérangé, le gadol adore. Vous imaginez? Il va pour s'excuser alors que ça, c'était pas de sa faute, j'imagine. Et toi, tu prends pas l'opportunité, c'est grave. Il a été puni du ciel tout de suite. Donc, le Ramban nous explique que dans cette période-là, chacun doit faire tchouva. C'est ce que dit dans le Korvet Or, Rabbi Tzrak Blazer, que pourquoi le Ramban il a précisé faire tchouva ces jours-là,
pour appuyer la balance après Rosh Hashanah. Il a dit après le Benoni, il doit faire tshuva. Pourquoi il a précisé tshuva et pas mitzvot et ma'asim tovim? Parce que si tu fais pas tshuva, la faute elle est trop lourde. La faute elle est trop lourde. Tu vas pas réussir à pencher la balance parce que vu qu'on est dans des jours où il faut faire tes tshuva, si un homme ne fait pas, c'est encore plus grave. Il y a même un autre qui sait ce sefer là, qui donne un autre argument dans le Rambam. Pourquoi il a dit ces jours-là, il faut faire davka tshuva? Parce qu'il dit les mitzvot et les ma'asim tovim, c'était jusqu'à Rosh Hashanah. Après, le compte, il redémarre à zéro pour une nouvelle année. Donc, dans la balance, ça y est, on a mis tous les mitzvot. Donc, maintenant, on ne va pas se remettre à mettre les mitzvot sur la balance. Hein? Maintenant, il faut quelque chose qui sort. C'est asu tshuva, c'est faire tshuva. Dans tous les cas, c'est quoi les raisons que le retard de la tshuva est très négatif? Première raison qu'on pourrait dire, et je vous permets de dire à vous aussi si vous voulez, c'est premièrement, c'est cette mitzvah assez. Cette mitzvah assez. Même selon ceux que la mitzvah c'est le vidoui, mais quand même ces jours-là, il y a un appel nouveau à la tshuva. Dire Shu Hashem Beimatzo, Kir Uru Bioto Karov. Appelez Hashem dès qu'il se trouve. Approchez-le dès qu'il est là. Et le Rambam nous a dit, on l'a lu tout à l'heure, Biyamim elu atshuva yafa beyoter umitkabelet miyad. Ces jours-là, elle est belle, la tshuva. Et ensuite, tout de suite. Donc, il y a même Rabbeinu Yona qui dit qu'à Kippour, on a une mitzvah supplémentaire de faire tshuva, une mitzvah assez, de réveiller son cœur à la teshuva. C'est quoi cette mitzvah assez? Elle est marquée dans le pasouk que nous citons. C'est quoi l'ifne Hashem titaru? Purifiez-vous devant Hashem. Quand? Ça parle de Kippour. Donc on a une mitzvah assez Kippour de remuer notre esprit. Et c'était ça le secret de Rav Simcha Zissel dans sa lettre, hein, que le Rav Dessler, il dit que c'est un grand, grand secret. L'ifne Hashem. Faut que ta tshuva soit devant Hashem. Quel est un minimum de vérité? Il dit là-bas, dans cette lettre de Rav Simcha Zissel, que ce que le Rambam, il a demandé, que Hashem témoigne sur notre tshuva, qu'on ne refautera jamais, c'est le minimum de la tshuva. C'est le mikule tshuva. Ça veut dire que tu vas faire une tshuva générale, mais il faut qu'il y ait un point de tshuva qui est vraiment intérieur. Et comment on le rend intérieur? Quand on se sent l'ifné Hashem, devant cette vérité absolue, devant la bonté d'Hachem infinie, devant le chesed d'Hachem atzum, et tu réfléchis et tu dis, Béhémet, je veux transgresser la parole d'Hachem, je veux parler du Lachon Hara entre nous. Tu vas tout de suite voir que l'ifne Hachem, tu ne veux pas. Donc tu prends une décision, l'ifne Hachem, même sur un morceau de la faute, même sur une partie de la faute, mais une teshuva Béhémet. Revenons à notre sujet. Donc la première raison qu'on doit se presser à faire tshuva, c'est pour la mitzvah. La deuxième raison, c'est parce que il y a cette notion de avera goreret avera. Une faute entraîne une autre faute. Un wagon tire un autre wagon. Et c'est pas que psychologique. C'est pas que sentimental, parce que quand un homme, top, quand un homme s'est affaibli, c'est sûr, Todaraba, quand un homme s'est affaibli et il a touché à la faute, et comme dit la Gemara, vu que tu as fauté une fois, ça devient kéhéter. C'est quoi kéhéter? Ça y est, tu te dis c'est autorisé. Donc si vite tu resserres pas les choses, tu vas en refaire plein d'autres. Et c'est plus profond que ça. Dan, tu veux écouter le secret? C'est que Rav Chaim Ivalojin, il ramène le nom du Gaon de Vilna. Abi'alachem ruchi. Je vous donnerai mon souffle. Il dit là-bas, un yesod atzum. Quand un homme, il fait une mitzvah,
il est entouré d'un Ruach Kedusha, d'un esprit de Kedusha qui l'amène à faire encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Il appelle ça même, il est entouré d'une lumière spirituelle. On aurait pu appeler ça Or HaMakif, si vous voulez, qui le, hein, qui l'entraîne. Et quand Chas V'Shalom, un homme, il fait une avera, il y a un Ruach Tum'a comme ça qui l'entoure, et qui l'entraîne aussi à faire d'autres averot. Donc se presser à faire tchouva, c'est mettre stop à tout ça. Mais il y a aussi le problème de la marterette. Vous savez, c'est l'histoire de la marterette. Est-ce que vous connaissez la marterette? Connaissez ou pas? Ah. Rabbeinu Yonah, il ramène ce machal. Voilà. Veda ki achote ki acher la chouv mechatato. Il dira, ben, le retard de la tchouva alourdit la punition. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une opportunité de s'en débarrasser. Et lui, sur ça, il ramène le machal dans Kohelet. Machal, ça ressemble à quoi? À l'histoire d'une bande de brigands, Katche Listim, chez Chavashan Amel Erbevet à Asurim. Le roi les a mis en prison. Partout, ils ont défoncé les portes et ils se sont sauvés. Arrive le chef de la prison, hein, le Shabbas, en hébreu, et il voit que la porte est ouverte, ils ont fait une grotte, ils se sont sauvés. Et il voit que un, il dit non, moi j'ai pas peur, je veux rester là, ils n'ont rien à me punir. Alors il a pris son bâton, il lui a dit « Kshé yom, t'es-tu ?»« Halo amar teret khatura lefanecha !» La porte, elle est ouverte devant toi. « Vechlo miarta !» Comment tu t'es pas sauvé? C'est un machal aussi toujours difficile à comprendre. Il aurait peut-être dû le récompenser. Mais non, on parle d'un voleur qui s'en fiche. Il n'a pas peur de personne. Et là, c'est quoi la marteret? Il dit Rabbeinu Yonah, un peu comme on l'a dit au nom du Ramban, quand on a les opportunités de faire tchouva et on ne fait pas, ça alourdit, ça veut dire que ça ne nous gêne pas, on n'est pas dérangé, la faute ne nous embête pas, elle ne nous pèse pas lourd. Aïe, 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 comme dit Rabbi Israël Salanter, les gens, ils attendaient toute l'année pour réparer. Vous savez, la Gemara raconte dans Shabbat que Rabbi Ishmael, sans faire exprès, il a bougé la bougie Shabbat. On n'a pas le droit de lire à la bougie Shabbat, de peur qu'on vienne à la bouger. Et avant qu'ils aient instauré ça, il a bougé. Il a écrit dans son carnet, dès que le Beth Amikdash il va être construit, il ne faut pas que j'oublie d'amener un korban sur ce que j'ai fait, mes shogeg. Ça veut dire, ça pesait lourd. On voit là-bas des fois dans la Gemara des gens qui ont jeûné 40 ans. Comme ça, 40 ans parce qu'ils avaient fait une erreur et ils avaient mal parlé, ou etc. Donc, la chance de la tchouva devient une question. Mais c'est quoi la marteret? Il dit le Mesher Chochma, la marteret, c'est le petit trou qui est en haut du hé. Ce qui était là, c'est Oudash Lichit, il y a deux semaines. Reb Moïse, mon frère, il a fait un très très beau shiur là-dessus. La Gemara a dit que le hé, le monde, il a été créé avec la lettre hé. C'est une Gemara dans Shabbat. C'est ouvert en bas pour dire pour fauter, c'est facile. Le mensonge, tu le trouves partout, il n'y a pas de problème. Mais pour faire tchouva, il faut re-rentrer par le petit trou du hé en haut. Et pourquoi il faudrait rentrer dans le hé? Parce qu'on est encore dans le monde. J'ai entendu que Teshuva, ta chouva. En fait, et la Gemara a dit que c'est plus serré là-haut, parce que pour faire tchouva, il faut. Il dit le Mesher Chochma, il explique Rav Dessler, magnifique, que en fait il faut faire la grotte pour se sauver. Ceux qui se sont sauvés de la grotte, en fait ils ont fait tchouva. C'est pas des gens qui ont fui la prison comme ça. Ils ont creusé. C'est quoi la marteret? C'est le petit haut du hé. C'est de trouver des solutions. Comment creuser à l'intérieur de soi pour se convaincre que c'est bien de faire tchouva. Et par un combat, il faut creuser là-haut aussi. Parce qu'il y a des mekatregim qui ne laissent pas notre tchouva passer. Il la bloque. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que quand Ménaché, il était dans la casserole. Vous connaissez Ménaché?
Ménaché, il était dans la casserole. Ils ont voulu le brûler dans la casserole. Les rois de l'époque, ils l'ont pris. Et il a fait une teshuva. Dans sa teshuva, il y avait un petit peu de l'audace. C'est quoi l'audace qu'il y avait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si toi tu ne me sauves pas, alors tu es comme tous les idoles, Chas v'Shalom. Mais maintenant je sais qu'il n'y a que toi, alors je viens. C'était de la chutzpa, mais la tchouva était profonde. Il a décidé de faire tchouva, et il a été sauvé. Il y a un vent qui est venu et qui l'a enlevé de la casserole, qui l'a ramené à Yerushalayim. Mais c'est marqué que les anges, ils ne voulaient pas laisser la tchouva passer dans le ciel. Ils ont fermé toutes les fenêtres. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a fait un petit trou, une petite grotte en dessous le kissé à Kavod, et il a reçu sa tchouva. D'accord, il a reçu sa tchouva. Donc la grotte, c'est quoi? C'est réussir à passer. Mais il dit Rav Dessler, dans toutes nos imaginations, que la faute, elle est attachée à nous, qu'on a besoin, etc. Il faut réussir à se convaincre parmi toutes les imaginations, faire. Et si on tarde, alors Chas v'Shalom, ça devient contre nous, parce qu'on n'a pas fait tchouva. Et enfin, la dernière raison, et on va passer à la halakha, c'est que la faute, c'est un moum, comme on a dit hier. C'est un défaut. Ça enlève la perfection de l'homme. Par un dans l'Olam Abba, même dans l'Olam Azé. Et un défaut, quand on peut s'en débarrasser, il faut faire le plus vite possible, parce que ce n'est pas agréable de l'avoir. Un homme qui veut la Kirvat Hashem, il ne va pas laisser des barrières. Aujourd'hui, ils opèrent de la cataracte. La cataracte, ah, on t'enlève le voile, tu vois mieux. Dommage de ne voir obscur quand tu peux voir mieux. Donc tout ça pour nous motiver, dans cette période-là, de faire tes chouvas. Chacun, il sait de quoi il doit faire tes chouvas. Chacun, il sait combien il peut faire tes chouvas. On a amené le Rav Israël Salanter, que la première étape de la teshuva est la meilleure, c'est sur ce qui est déjà accessible à nous, ce qui est facile à faire. Déjà, ce que tu es capable de faire avant de parler des choses très dures. Et c'est comme ça que tu vas arriver à tout à Tshuva Shlema. Donc, comme on a dit, on va terminer avec ça. Il nous reste 5 jours. Avant d'aller dormir, Dan, tous les soirs, conclure un élément dont tu fais tes Tshuva. Un élément. La Tfila, la Torah, la Shonara, les yeux, le chacun, il sait dans quoi il doit faire tes Tshuva. Les brachot, hein, les brachot, qu'il oublie, tout ça. Un élément, Kippour, arriver, prendre une petite feuille la veille de Kippour, marquer les 5 éléments avec les petites décisions, et Kippour, verser dessus de l'eau, savonner, hein, qui va yom azé, raper à l'état et trem, et là recevoir la vraie kapara, et mériter de sortir avec tahara, la pureté. Il dit, c'est comme le mikvé. Le mikvé, tu rentres dans un endroit où tu ne peux pas vivre, donc tu coupes avec le monde. Tu ressors comme une nouvelle créature. Hein, entrant dans le mikvé, tu ne peux pas vivre là-bas. Dans le donc tu ressors la même chose. Yom Kippour s'est appelé un mikvé. Qui vient Chol HaKadosh Baruch Hu. Il nous aide à couper avec tous les erreurs et à être Birya Chadasha Teora Ugdosha Bezrat Hashem. Voilà, Chazak Ubaruch. On va passer à la halakha parce qu'il y a beaucoup d'halakhot ces jours-là.